Salut tout le monde, c'est Alexandre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette, un chausson aux pommes avec du caramel beurre salé et une belle boule de glace. Je pense que vous allez vous régaler et je vous laisse avec la vidéo. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de pâte feuilletée, dont la recette sera en description, puis de 1 kg de pommes, de 2 citrons verts, d'une demi-cuillère à soupe d'extrait de vanille, de 25 g de sucre. Et pour les finitions, vous aurez besoin de caramel beurre salé qui sera également en description. Pour la première étape, on va commencer par la compote. Épluchez, videz et coupez vos pommes en quartier. Puis, avant de cuire, rajoutez votre sucre, votre extrait de vanille et votre jus de citron. Ensuite, faites cuire votre compote 30 minutes à feu doux. Quand elle est cuite, réservez-la jusqu'à qu'elle refroidisse un petit peu. Pour la première étape, prenez un morceau de votre pâte, étalez-la finement, puis portionnez-la par rapport à votre plaque. Ensuite, mettez un mélange jaune d'œuf lait sur les bords, ça servira de colle. Puis mettez une belle couche de pommes au centre. Et refermez le tout avec une nouvelle plaque de pâte feuilletée plus large. Enlevez l'excédent et collez les deux pâtes entre elles pour pas que ça s'échappe à la cuisson. Il ne reste plus qu'à la cuire 30 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Maintenant, en place au meilleur moment, la dégustation. Mettez-y une belle boule de glace et du caramel beurre salé et c'est un pur délice. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis ciao !